Le concept d'ingénieur de l'écosystème a été proposé en 1994 par Clive Jones et il désigne un organisme qui modifie de façon importante son environnement au point d'avoir un impact significatif sur d'autres espèces qui lui sont proches. Formellement, l'ingénieur de l'écosystème, il fait passer un élément physico-chimique, parfois vivant, de l'environnement d'un état 1 à l'état 2. L'exemple emblématique, c'est le castor. Le castor va couper des arbres qui vont donc passer de l'état vivant à l'état mort. Et avec ces arbres, il va créer des pièces d'eau qui vont modifier la dynamique de l'eau et d'autres éléments de l'environnement et donc créer un habitat qui va être exploitable par des organismes qui n'étaient pas nécessairement présents avant l'intervention du castor. On distingue deux types d'ingénieurs de l'écosystème. Les ingénieurs autogéniques, qui sont des organismes qui modifient l'environnement par leur simple présence. L'exemple le plus simple, c'est l'arbre, par exemple, qui intercepte des ressources lumineuses et va donc créer des conditions particulières pour la photosynthèse d'un certain nombre d'autres plantes. Un autre exemple, ce sont les herbiers sous-marins qui ralentissent les courants, ce qui augmente la sédimentation et permet donc d'offrir de nouvelles ressources à des organismes qui vivent dans le sédiment. C'est également le cas des coraux qui, comme chacun le sait, créent des conditions d'habitat très variées pour un très grand nombre d'organismes marins. On a également des organismes halogéniques qui, eux, modifient leur environnement par leur activité. Là encore, le castor est l'exemple le plus simple. Mais les pics, par exemple, qui créent des cavités dans les arbres, vont permettre à des champignons ou à d'autres oiseaux de s'installer. La macrofaune benthique dans les milieux marins, fouisseuse, va augmenter le taux d'oxygène dans les sédiments et donc modifier, dans un sens favorable, les conditions d'activité de la microflore de ces sédiments qui dégradent la matière organique. Et puis on a également l'éléphant qui change la densité des arbres, hein, qui est souvent un effet très délétère sur la composante arbre, ce qui change également, dans un sens favorable, la masse des herbacées et change l'intensité des feux, qui deviennent plus violents, du coup, quand on a une diminution des arbres. Certains organismes sont très dépendants de la présence de ces organismes ingénieurs. Un exemple bien connu est celui des arbres dans des zones tropicales qui sont situées sur des cuirasses latéritiques. On a dans ces milieux la présence de grandes termitières qui correspondent donc à des accumulations d'argile qui permettent l'accumulation de matière organique, de nutriments, d'eau et qui deviennent des milieux extrêmement favorables aux arbres qui autrement ne sont pas présents dans ce type de milieu. Et donc finalement, quand on analyse la distribution spatiale des arbres, eh bien on tombe exactement sur la distribution spatiale des termitières, et donc on ne comprend pas la dynamique des arbres si on n'analyse pas la dynamique des termitières et des termites. Le concept d'ingénieur de l'écosystème n'est pas très éloigné de deux autres concepts, je crois, qu'il faut citer. Il y a celui de phénotype étendu, qui a été proposé par Richard Dawkins en 1982, et qui dit simplement que l'environnement proche des organismes fait partie, finalement, du phénotype de ces organismes, puisque la modification de cet environnement est la conséquence d'un certain nombre de caractéristiques biologiques de ces organismes, et donc la modification de cet environnement, finalement, elle est soumise à sélection, et elle donne un gain de fitness aux organismes en question. Il y a également le concept de construction de niche, qui n'est pas extrêmement différent du précédent, puisqu'il affirme que des organismes, là aussi, par voie de sélection, ont acquis des propriétés biologiques qui leur permettent de modifier dans un sens qui leur est favorable cet environnement, sauf que là, en général, la modification de cet environnement, elle est durable et va donc constituer un acquis pour les générations suivantes. En termes d'ingénierie écologique, évidemment, les organismes ingénieurs sont des outils extrêmement précieux par l'intensité de leur impact sur l'environnement. Les vers de terre, par exemple, sont un bon outil lorsqu'il s'agit d'augmenter la pénétration de l'eau dans les sols et finalement
la capacité des pluies à alimenter les nappes phréatiques, puisque les vers de terre vont être responsables de la macroporosité du sol, qui joue un rôle très important dans l'infiltration de l'eau. Ce sont également des transporteurs de particules organiques, de feuilles mortes par exemple dans une forêt, qu'ils vont rentrer dans le sol, et donc ainsi, ils vont contribuer à l'augmentation du stock organique du sol, et également du coup du stock de CO2, si on se réfère à la problématique des changements climatiques. Les termites sont utilisées dans certaines régions d'Afrique comme des auxiliaires pour fabriquer un complexe argilo-humique qui manque dans des sols qui sont des sols de type ferrugineux ou ferralitique. Cette technique est connue sous le nom de ZAG, elle est abordée dans une autre présentation de ce cours. Les arbres sont également des auxiliaires très précieux. Dans le cas de sols salins, on peut planter des arbres tolérants, bien entendu, au sel, des arbres avec des racines profondes qui vont donc, par leur activité de transpiration, contribuer à abaisser le niveau de la nappe phréatique, ce qui va permettre à l'eau de pluie de lessiver les sols et donc d'entraîner en profondeur ces sels. Du coup, les horizons superficiels sont débarrassés du sel et peuvent redevenir propres, par exemple, à une culture de plantes annuelles à racines superficielles, une plante cultivée, par exemple. Les arbres qui ont des racines profondes, qui vont chercher les sels minéraux, notamment le phosphore, qui sont libérés par les roches en dégradation, jouent le rôle d'ascenseur à phosphore et permettent une meilleure accessibilité du phosphore à des plantes à système racinaire superficiel, comme les plantes cultivées, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui en agroécologie, on conseille, c'est une des raisons pour lesquelles on conseille la plantation des arbres dans les parcelles cultivées. Les plantes pionnières, qui modifient considérablement l'environnement, de façon obligatoire dans un certain nombre de cas pour la succession végétale, sont évidemment là aussi des ingénieurs de l'écosystème. On sait très bien par exemple que les arbres, qui sont des plantes en C3, qui ont des besoins élevés en azote, ne peuvent s'installer dans un nouveau milieu qu'après un certain temps d'accumulation de l'azote qui est lié à la présence de ces plantes pionnières, dont parfois, en tout cas dans les stades intermédiaires, des plantes légumineuses. Il y a également des plantes que l'on considère comme des nurses, c'est-à-dire qu'elles vont accompagner la mise en place de plantes désirées, donc en créant des conditions favorables, ou au contraire, empêcher l'arrivée de plantes indésirables, simplement parce qu'elles occupent le terrain. Un exemple intéressant parce qu'il fait intervenir un intermédiaire biologique, c'est l'exemple des plantations de cyprès atlantiques qui sont restaurées au Maroc. Des travaux ont montré que l'introduction de plantes nurses, qui sont en l'occurrence une espèce de lavande et une espèce de thym, fortement mycorhizée, améliore le taux de mycorhisation de ces cyprès atlantiques et améliore le succès du coup d'une restauration. Les roselières qui filtre l'eau et en accumulant des éléments minéraux, modifie la composition chimique de l'eau et peuvent prévenir des proliférations de plancton, c'est-à-dire des phénomènes, des conséquences visibles de l'eutrophisation. La plantation également de plantes herbacées ou de petits arbustes sur les dunes est un moyen également très efficace de faire passer le sable d'un état très mobile à un état moins mobile qui va permettre soit de la stabilisation de la dune, soit la limitation de la diffusion du sable dans une région. Pour conclure, du fait de leur impact très fort sur l'environnement, physico-chimique et parfois biologique, les ingénieurs de l'écosystème sont des outils privilégiés en ingénierie écologique. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle les espèces clés de voûte, qui ont elles aussi, via des éléments biologiques via la modification de la structure des communautés, un impact très très fort. C'est la notion de cascade trophique. Un poisson, par exemple, s'il est là ou pas là, va vous modifier le degré d'eutrophisation apparente de l'eau. Quand je parle d'eutrophisation apparente, je veux dire de prolifération du plancton végétal.